Salut à vous amis Bélier, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de novembre 2022. Donc période du 15 au 30 novembre, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour votre signe. Donc ce tirage s'adresse aux Béliers en signe solaire principal du zodiaque, signe ascendant et signe lunaire. Je rappelle que cette guidance reste générale tout de même et qu'elle ne parlera pas à tous les Béliers qui nous regardent, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, sur votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. On y va de suite. Bélier, du 15 au 30 novembre 2022, c'est parti. Allez Bélier. Novembre. Deuxième quinzaine, énergie générale pour les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire, hop, du zodiaque, bélier, novembre, deuxième quinzaine, pour les béliers, en signe solaire. Ascendant, lunaire, du zodiaque, du 15 au 30 novembre, on y va. Ok. Voilà ce qui est sorti. C'est parti pour la lecture de tirage. On est sur cette énergie 1 pour commencer. Alors ici, on nous parle très clairement d'une révélation. D'une révélation, il y a cette idée d'avoir caché quelque chose, que ce soit à autrui ou à vous-même. Il y a cette idée de ne plus se cacher, en fait. J'ai des envies, j'ai des intentions, j'ai des volontés. Et je les accepte, je les assume, je les conscientise pleinement. Il y a cette idée, en fait, d'un désir qui est tellement fort au fond de vous, ami Bélier, d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose, d'aller dans une direction particulière, spécifique, qu'au bout d'un moment, ce désir est tellement grand que vous ne pouvez plus vous cacher, en fait, derrière des prétextes, derrière des excuses, derrière des faux-semblants. Vous n'avez d'autre choix que de laisser cette réalité transparaître, d'assumer un petit peu ce qui se passe. Alors, ça peut être lié à tout ce qui est, à tout ce qui concerne la maison, le foyer, la famille, peut-être le lieu de vie. Il y a cette idée pour moi d'une révélation qui va avoir lieu durant cet automne. On était contrarié parce que justement on était dans la dissimulation, volontaire ou pas. Ça peut être aussi inconscient, peut-être qu'on prend tout juste conscience du désir que l'on a au fond de soi, ok? Mais il y a cette idée, dans cette énergie, une, d'une tombée de masque. Soit on ne se cache plus derrière un masque, soit on y voit beaucoup plus clair sur ses intentions, sur le sens de la vie, sur la direction que l'on veut donner à son existence ou à un domaine spécifique de son existence. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Il y a cette idée d'abandonner. D'abandonner, alors peut-être certains, certaines, se cacher derrière des prétextes, se cacher derrière des réalités, se faisaient passer pour jouer un rôle qui n'était pas le leur. Et bien là, on enlève le déguisement. On apparaît sous son jour réel. Voilà, je suis comme ça, j'ai telle et telle envie, c'est à prendre ou à laisser. Soit tu m'acceptes, soit ça dégage. En gros, c'est ça. Il y a soit une vérité que vous avez cachée à quelqu'un par rapport à vous-même, peut-être à une envie de faire quelque chose ou par rapport à une réalité, peut-être des secrets qui ressortent, qui sont enfin dévoilés. Soit il s'agit non pas de quelque chose qui a été caché, volontairement, mais quelque chose d'involontaire. C'est-à-dire que pendant longtemps, peut-être, on avait les yeux bandés. Pendant longtemps, on ne voyait pas clair sur peut-être une envie qui pourtant était bel et bien là.
Là, en fait, il y a cette idée d'un champ de vision qui s'éclaircit totalement. On a beaucoup plus de visibilité, si vous voulez, de par la tombée du masque. La tombée de ce masque provoque un champ de vision beaucoup plus clair sur ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, quel que soit le domaine. Avant, on était contrarié. Pourquoi ? Bah parce que peut-être qu'on s'accrochait à quelque chose que finalement, on devait laisser partir ici. Là, il y a une pour moi, il y a une forme d'acceptation. On était peut-être dans le déni. Là, il y a une forme d'acceptation. On se dit, OK, telle ou telle situation, telle ou telle personne doit partir de mon existence, je la laisse partir. Ce qui doit partir part, ce qui vient à moi, ben, je l'accueille à bras ouverts. En gros, c'est ça. Quand vous êtes dans, quand vous cessez en fait de lutter contre le courant, contre les vagues, et que vous laissez en fait la vague vous amener là où elle doit vous amener, vous êtes beaucoup mieux en vous. Vous êtes beaucoup mieux dans votre peau, et surtout il y a une forme de déculpabilité, de déculpabilisation, où on se dit mais en fait c'est l'univers qui choisit, pour moi ça n'est pas entre mes mains. Donc du coup on est tout de suite beaucoup plus à la fois serein, à la fois peut-être inquiété pour d'autres qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Mais il y a cette idée en fait de s'en remettre à l'univers. Moi j'ai l'impression que peut-être vous luttiez pour garder une situation, mais le fait de la garder vous mettez dans l'inconfort parce que vous aviez peur qu'elle parte. En fait, regardez, c'est-à-dire que on parle d'une situation qu'on s'efforçait de garder près de soi, non pas parce qu'elle nous plaisait, mais parce qu'on avait peur de la perdre. Zone de confort. Là, on se dit, bon, elle part, je n'ai d'autre choix que d'accepter que cette situation parte. Au fond de moi, je sais qu'elle doit partir, donc je la laisse partir. Et on voit que vous accédez à ce qui est en vous. Vous accédez à la véritable envie qui est en vous. Pourquoi ? Bah parce que vous vous réfugiez derrière de faux prétextes. Je garde cette situation, non pas parce que je veux la garder, mais parce que c'est ma zone de confort, parce que c'est la seule situation que j'ai connue, etc. Donc en fait, ce n'est pas votre désir réel. Donc dès lors que vous cassez avec ce dynamisme, avec cette dynamique, on accède à ce qui est en vous avec le vrai, les vraies envies, les vraies intentions qui sont en vous, c'est-à-dire celles d'évoluer, celle de laisser tomber cette situation à laquelle on s'accroche. On s'accroche peut-être au mensonge ici, on s'accroche peut-être à la dissimulation. Voilà ce qu'on a. On a un comportement beaucoup plus mature, j'ai envie de dire, qui va se montrer durant la deuxième quinzaine de novembre. Ça peut concerner tout domaine de vie, on est dans la pure acceptation ici. De ce qui vient à vous, de ce qui doit partir. On ne retient plus rien, on ne retient plus personne. Et cette idée de, bon, bah ok, on ne veut plus de moi dans ce travail, bah ok, je démissionne, il n'y a pas de je retiens, j'essaie de garder ma place, ou alors l'autre veut divorcer, j'essaie de le retenir, non. Tu veux partir, bah pars. Tu veux venir vers moi, bah viens. Voilà, il y a cette idée un petit peu de ne plus lutter. Bon. Énergie 2, on a quoi ? Bah oui, on passe de ça, un arbre sans feuilles, vide, une période où il se passe rien, bah il se passe rien, morosité, le ciel est gris, l'arbre n'a pas de feuilles, regardez comme cette carte est triste ou nette, il se passe rien, c'est une période un petit peu de calme, où il n'y a vraiment rien à l'horizon. On passe de ça à ça, l'arbre reprend de sa vigueur, refait pousser des feuilles pleine de vie, pleine de santé, d'accord ? Donc on nous dit en fait ici, le message, je vous le transmets, c'est quoi ? C'est arrêter de retenir dans votre vie ce qui doit partir. Laissez partir, laissez l'épuration se faire. Parce qu'au fond de vous, vous avez des envies que vous n'assumez pas. Et pour ne pas les voir et les affronter, vous vous accrochez à quelque chose qui est déjà mort. On vous dit, laissez partir ce quelque chose qui est déjà mort. Il est déjà mort, quel est l'intérêt de s'y accrocher ? Ça n'est plus en vie, il n'y a plus de vie dans ce que vous voulez maintenir. Vous vous accrochez, c'est comme si je m'accrochais en fait à cet arbre parce que j'ai peur de tomber.
mais que l'arbre, de toute manière, il n'est pas très très solide, la branche, elle est à deux doigts de se briser, donc de toute manière, je vais tomber quand même. Voilà, c'est un peu l'idée. Si vous ne le faites pas, bah, l'univers le fera. Il enlèvera de votre vie ce qui doit être enlevé. Là, on a un déclic, une prise de conscience par rapport au fait de laisser entrer l'abondance dans votre vie. Cette abondance ne peut entrer dans votre vie qu'à condition de faire ce travail d'épuration et de laisser partir une situation ou une personne à laquelle vous vous accrochez pour les mauvaises raisons. Non pas parce que vous voulez la garder dans votre vie, mais parce que c'est votre zone de sécurité. Voilà, je n'ai rien à ajouter. C'est sentimental, visiblement, on a la sexualité en noyau central. Donc ça peut concerner un relationnel, ça peut concerner une vie de couple, ça peut concerner, ouais, ça concerne le sentimental. Ou alors on parle d'une autre situation que vous vivez qui pourrait avoir une influence ou un impact sur votre libido. Ça c'est aussi un message qu'on peut interpréter comme ça. Ça peut être aussi, par exemple, des personnes qui s'accrochent à une relation éphémère, légère, détachée, de peur qu'elle n'aboutisse à quelque chose de plus grand. Vous voyez? J'ai peur d'un engagement avec une personne, donc je me raccroche à ça. Je veux maintenir la relation dans le léger, dans le désengagé, puisque j'ai peur de la tournure que pourraient prendre les événements sur le long terme. Je ne veux pas m'engager, je ne veux pas m'attacher, etc. Mais au fond, j'ai envie de m'attacher, voyez? En fait, vous vous mentez à vous-même. Donc attention à ce que la tête dit et à ce que le cœur sait. Je n'ai rien à ajouter pour vous, amis Bélier. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao!